2 adultes et 2 enfants. Ça, on en donne 4. Fini les livraisons. Depuis 10 jours, cette antenne du Secours Populaire a repris les distributions, mais en mieux qu'avant grâce à la crise sanitaire. Au fur et à mesure du confinement, on a eu beaucoup plus de partenaires, donc beaucoup plus de denrées alimentaires. Et ça, ça fait du bien. À chaque personne qui arrive, on fait la production, donc avec toute la nourriture que vous voyez là. Et après, les personnes comme ça, elles peuvent choisir ce qu'elles veulent manger ou pas. Mairie de Nice et préfecture ont effectivement maintenu leurs dons de denrées et de plats cuisinés, ainsi que le prêt de ce grand local. Oui, c'est très bien. Merci. Oui. Bien organisé. Oui. C'est la maison, c'est ici, très très bien. C'est super. Pour nous qu'on a besoin, c'est vraiment essentiel. Mais bien sûr, la crise sanitaire a aussi un effet très négatif. Les besoins ont augmenté, des nouveaux publics qui forcément avant n'en avaient pas besoin se sont découverts un peu dans la misère, ne pas avoir touché les aides qu'ils avaient droit ou trop tard. Et se sont rendus compte que finalement, ils rentraient dans les critères du Secours Populaire, qu'il y avait le droit. Hier, on a fait 42. Hein. Oui. On a battu le record. 42, oui, 42. Le Secours Populaire a notamment récupéré toutes les personnes hébergées via le 115. Tu veux le casque ? Mais quelle que soit l'ampleur de la mission, les bénévoles feront toujours tout pour rendre la vie de leurs bénéficiaires un peu plus douce.